Dans mon sac, je t'ai dit. Comino, mais tu sais à qui tu t'adresses? Et toi, tu sais qui te braque, hein? Et tu crois que ça va finir comme ça? Écoute-moi, hein, tu vas aller voir ton boss, tu vas lui dire de pas essayer de nous retrouver, d'accord? Sinon, je vais aller faire un petit tour, des papes, et je vais faire un coucou à ta femme et tes fils, t'as compris? Hein? Bâtard de corps! Allô? T'es où? Je suis au bureau, j'ai deux tonnes de dossiers urgents à régler là. En fait, je l'ai eu. Quoi, ils t'ont donné le permis à toi? On est pas dans la merde, hein. Comme t'es méchant. Je suis pas méchant, je suis réaliste, c'est pas pareil. Arrête, tu m'as dit bonjour. Mais justement, t'sais pas en faire. Tu m'avais promis que si je l'avais, tu me prêterais ta voiture. Ouais, mais je pensais que t'allais pas l'avoir. Oui, mais je l'ai eu. Et qui me garantit que tu vas pas me ramener une épave? Allez, mon amoureux, tu m'avais promis. Non, bien sûr, je vais te la passer la voiture. Moi, je dois aller, là, je suis pressé. Je te fais plein de bisous, ma chérie, d'accord? Merci, mon cœur. Bisous. Allez, à plus. Passage, drogue, barrage, rétro, bleu, mon sens, je m'en ai, je mets, micro, négro, ta sens, atroce, ah, t'as normal, y'a du shit, vert, jaune, rouge, la France, Marseille, c'est l'Afrique, TP, 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 il pleut, terra, lisse. Ça va? Ah, machin. Alors? Je l'ai eu. Ça va. Maman qui aurait été fière de toi, tu sais. Je sais. Une surprise. Non. Je savais que je la voulais. Ouais. Elle est trop belle, je peux pas accepter. Comment ça, tu peux pas? Je sais très bien. Voilà, qu'est-ce que tu me fais là? Oh! Prends-la! Tu sais très bien pourquoi je peux pas. Non, je sais pas. Je dois y aller. Voilà, oh! Tu sais que j'aime pas d'être avec Dominique s'est fait braquer la recette des machines. Quand? Hier matin. Il est où? Devant, dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Dominique s'est fait braquer la recette des machines. Quoi? Va le chercher, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est, quoi? T'es chez nous ici. Attends. Qu'est-ce que tu me fais? Toi, tu te fais lever, tu attends le lendemain pour venir me voir. C'est quoi ça? Ils ont parlé de ma femme, de mes filles. Ouais. J'ai cré. Il fallait me venir me voir direct, t'es où? J'ai cré. Oh, tu sais, ça c'est une équipe des quartiers noirs. Ils ont vendu un peu de bambou, ils croient que c'est chez eux. Tu as compris? Ils croient qu'ils peuvent venir manger chez moi. Ouais, sérieux, toi. C'est ce que tu fais, tu prends ta femme, tes filles, tu vas te mettre un peu à la campagne. D'accord? T'occupes okay. De rien, c'est pour nous. Parfait. Allez, vas-y.
Bon. Vous allez m'envoyer une équipe dans les quartiers nord, à Saint-Antoine. D'accord? Vous allez me faire la tournée des bars. Essayez de voir un peu tous les minots qui se la jouent, qui charbonnent, qui se prennent pour des héros. Vous bougez qui il faut bouger. Vous arrivez à me trouver qui a fait ça. Ok, Mikachi, t'inquiète pas. T'as compris? Je m'en occupe. Oh, il doit être en feu, Jean-Pipo. Il doit chercher de partout qui aurait pu faire ça. Et avant que ça lui vienne à l'esprit que c'est nous, t'es cœur. Mal temps. À mon avis, il a dû être surpris qu'on soit renseigné comme ça sans lui. C'est quoi, il va falloir faire profil pas pour pas attirer l'attention des Corses. Oh, mon petit. Oh, et fais attention à rien, ça tourne, ils ont fait. Hein. Oh, bien le look, hein. Excuse-nous, Karl. C'est bon, je rigole de tantôt. Tu rigoles, hein? Viens, viens, mon croquant. Ça va? Tu voulais me voir? Ouais, ouais. On a un problème, frérot. Normalement, sur un kilo, je tire 85 000. Là, on est à 77 000. Il y a un truc, il y a un problème, frère. Il y a un problème. Attends, tu veux quoi? Tu as fumé? Tu veux quoi? Tu as craqué? Rien à voir. Ça fait 3 jours que je suis sur les gonds. Tu vas voir. Ça fait un trou de 8 points. Tu crois que tu manques pour une banane ou quoi? Tu as craqué? Tu passes à moi, on va voir tes chapeaux. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu sais très bien que tu vas compter 10 fois là, tu vas compter 20 fois. Ça fait combien de temps que je fais tes coups? Qui gère ça, you? Ouais. Vas-y, recode, mon gars, recode. Hein. Yo, on a fait le code, c'est notre code, tu vas te devant, gros. Tu fous, quoi? Bien sûr. Ben, certain, tu fous. Pas mon monsieur. Mais encore un trou, je t'en fais un pour toi, hein, petit pédé. Tu veux vivre comme les lions, le coup de ta mère. Hein? Je vais te niquer ta mère la pute, hein. Tu vas venir tapiner gratuit ici, hein. T'as compris, petit pédé? Casse-toi, putain. Démon, casse-toi. Je te vois que Marlo arrive dans le biz. Marlo arrive dans le biz. Marlo arrive dans le biz. Avance comme un loup solitaire. Dis-moi qu'une meute entourée d'un dick. Bitch, coup droit de Joko. Tu me demandes un épousaille? Une épousaille? Mais oui, je veux une bague. Tu sais, celle qu'on trouve dans les machines à jouer à 12 euros. Ouais, c'est un vrai truc de race. Mais arrête, ça c'est la vraie bague des amoureux. Hein. À 2 euros, ça tu risques pas de me ruiner là. Après, faire des bébés. Ouais, mais pas trop non plus. Attends, dans ma tribu c'est 4 minimum donc. Et je veux que des mecs. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, je vais pas me faire chier avec une gonzesse, hein. Tu te casses? Ça va, je rigole. On va trop loin. Quoi?
Parce que... Tu penses que je vais seulement tirer mon coup? Regarde-moi, Anna, je t'aime. Et si tu veux qu'on reste là, il n'y a aucun souci pour moi. Non, mais... C'est pas ça, mais... Faut que je t'avoue quelque chose. J'ai jamais été plus loin. Plus loin? J'ai jamais... Ah ouais? Bon, en même temps, on va pas s'en plaindre, mais... Je comprends pas, tu étais pas prête? Non, mais c'est pas ça, j'ai peut-être pas trouvé la bonne personne. Enfin, avant toi. Mais bon, j'ai envie avec toi, mais... Avant, il faut habiller mon annulaire. C'est vraiment un truc de vieux, ça, quand même. T'es ancienne. Bon, en même temps, à 2 euros la bagouze, je pense que ça va pas tarder. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Nous venons d'apprendre un règlement de compte vient d'avoir lieu à Marseille, un règlement de compte peu commun, car la victime serait une femme d'une vingtaine d'années. Elle aurait été prise pour cible alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture. On me